Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment personnaliser un plateau avec une photo. Et la seule façon de vraiment protéger la photo sur un plateau, c'est avec de la résine cristal. Alors, pour cette réalisation, il vous faut un plateau, possiblement en bois ou en plastique, pas en carton, de la résine cristal. Du papier pour poncer l'imperfection du plateau, de la sous-couche, du vernis, de la colle mosaïque, de la peinture acrylique, de la cire et toujours des pinceaux, ciseaux et petits bricoles pour pouvoir bien travailler. Alors, moi j'ai déjà poncé mon plateau, comme ça on a enlevé les petites imperfections et avec la sous-couche, je commence à préparer le bois, à prendre la peinture. Vu que la résine, elle est complètement liquide quand je la prépare, il faut passer bien la sous-couche dans les jointures du bois pour bien boucher tous les trous. N'hésitez pas à le faire une fois de plus parce que c'est vrai que si ça se peut qu'on abîme tout notre travail. N'hésitez pas à le faire soit devant que derrière pour être bien sûr. C'est important aussi bien étaler et pas laisser des paquets parce que si on laisse des paquets, puis il faudra poncer avec du papier ponce. On peut passer aux couleurs. Ici, une couleur acrylique déjà prête à l'emploi. Même chose, on fait attention de bien passer dans les jointures du bois. Une fois qu'on a fini de faire la peinture et que c'est bien sec, on passe à faire des effets avec de la cire à patiner. On peut utiliser soit les doigts, soit simplement des soupes à linge, soit des pinceaux éponges ou des pinceaux. Moi, je vous conseille bien avec les poils durs. Pour vous entraîner, commencez toujours dans les parties moins visibles. Et n'oubliez pas qu'on peut rajouter, mais qu'on peut plus difficilement l'enlever. Alors, je tapote toujours les pinceaux éponges dans la cire et je tapote à côté pour enlever les surplus. Et il faut vraiment être très très léger. Voilà, vous pouvez estomper l'effet aussi en passant un petit peu avec la peinture. On le verra par transparence. C'est une façon aussi, dans les cas où vous n'avez mis trop, ça vous permet de corriger. Là, j'ai fait ça pour plus fondre cet effet. Entre-temps que le plateau il va sécher, toujours avec la cire, j'ai travaillé un petit peu les bords de la photo pour la rendre plus intéressante, comme ça elle va sécher aussi. J'ai décidé de rajouter baptême ici. Je vais le faire avec la technique de l'embossage qui il peut être appliqué aussi à la résine. Et on a besoin de tampons cristal, de la colle spray pour poudre embossée et l'embosseur.
la colle sur le bord de la photo en laissant 5 mm pour que la colle en épaisseur y puisse déborder. Et je l'ai mis bien bien au centre parce que la résine elle peut soulever le centre de la photo dans le cas où il n'y a pas de colle. Je me suis aidée avec du papier pour bien coller et mettre pas trop de doigts qui seront visibles avec la résine, parce que la résine a mis tout en valeur, mais les défauts aussi. Et maintenant, je laisse au moins sécher bien 1 heure. Voilà, on a un été, un hiver, même laisser sécher 2 heures. Hein. Maintenant que c'est bien sec, on passe à la partie plus importante, plus difficile, la résine. Alors, je vais éloigner mon plateau. Je vais prendre la résine. Je m'organise quand même avec quelque chose pour protéger notre table, des soupes à linge. Et quand on commence à faire ça, on ne s'arrête plus. Alors là, j'utilise de la récup pour mon support pour mélanger la résine. Si ça peut être soit en plastique, soit transparent. La dosette que en général vous trouvez dans les cartons. Et une cuillère ou un plastique ou un bâton à bois que vous avez également dans la boîte. Alors, il faut jamais oublier les doses. Si vous avez un doute, on l'a toujours dans la boîte. Donc ça, c'est mon produit A et ça, c'est mon produit B. Là, je dois faire pas mal de résine. Il faut un contenant en proportion. Par contre, si vous devez faire vraiment beaucoup beaucoup de résine, par exemple toute la boîte, ben alors vous la faites en 3 fois. Comme ça, vous êtes bien sûr de la mélanger. Je compte bien un. Je fais tout très doucement. Et j'ai mis cette fois les produits B, les durcisseurs. C'est beaucoup plus liquide. Quand vous ouvrez la boîte de résine cristal, vous écrivez la date parce que c'est bien là utiliser les restes dans le tour des 6 mois. Là, je recommence avec 2 DA et 1 DB. Et ça doit suffire parce que j'ai pas d'inclusion. Je vais bien mélanger au moins pour 1 quart d'heure à 20 minutes. Alors, comme vous voyez, je mélange très doucement pour pas faire rentrer des boulets d'air dans la résine. Parce que c'est très difficile d'enlever. Il faut vérifier aussi la place de la maison où soit bien droit pour la laisser sécher le plateau 24 heures. Parce que si votre place elle est comme ça, ben la résine elle va sécher aussi mal. Mais c'est important vraiment un endroit bien droit. Et je vais couvrir tout avec du papier aluminium, compris les trous ici. Je vérifie régulièrement. Est-ce que vous qui séchez en 24 heures, on va dire que jusqu'à 8 ou 9 heures, vous pouvez casser les boulets d'air. Vous pouvez, s'il y a par exemple un petit insecte qui s'est mis dedans, ou un poil de chat ou quelque chose, vous pouvez l'enlever jusqu'à 8 ou 9 heures depuis que vous avez fait la résine.
Même s'il semble de faire un gros trou, ne vous inquiétez pas, ben, il va se refermer. Je vais mélanger jusqu'à ce que on voit la résine complètement transparente. Vous pouvez bien vérifier en passant la cuillère. C'est quand vous passez la cuillère, vous ne voyez pas la trace derrière, ça veut dire que votre résine elle est prête. Et je vais maintenant la verser. Alors, même si je l'ai mis que d'un seul côté, il va s'étaler tout seul. Mais moi, je vais quand même l'aider un petit peu. Et bien couvrir avec du papier aluminium. C'est pratique parce que quand on n'est pas au centre, je profite aussi pour couvrir le trou. Voilà, je peux vérifier.